Eh dis donc, mais c'est qu'il pleut par là-bas là. Ça mouille hein. Putain de nuage de merde. Du coup, pour ceux qui n'auraient pas remarqué, j'ai aussi changé mes rétros. Donc deux rétros en bout de guidon. Il n'y a plus l'espèce de gros bordel de merde là, ça sert plus à rien, de toute façon c'était moche. Après il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, moi perso ça me fait plaisir. Donc la vie des autres, tu connais, je m'en bats les couilles. En plus elles ont une petite teinture bleutée en fait, et ça colle plutôt bien à la moto. Bon là c'est fait pour le soleil tu vois. Je vais à Micromania pour aller chercher en fait Just Dance sur Switch. Alors non, c'est pas pour moi, c'est pour ma demi-sœur. Donc j'ai envoyé un petit message à une amie en fait qui bosse directement à Micromania, donc Laura, et elle m'en a mis un de côté. Qu'est-ce qu'elle est mignonne, putain. Ah lui par contre il est équipé pluie. Et t'as moi comme un gros connard. Putain, y'a rien de pire, le soleil plus la route mouillée. Oh la vache, ça nique les yeux de ouf. Eh bien le bonjour mes poulets, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va super, la forme en vacances, hein, pendant que les autres travaillent. Du moins chacun à son tour. J'ai bricolé un petit truc là au niveau du micro là. Donc pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez pu voir le montage à la MacGyver. Donc un gros bordel, en fait c'est vraiment pour couper le vent en fait. J'en avais marre que dans toutes mes séquences moto, on entend énormément le vent dans le micro. Du coup en fait je me suis fabriqué mon propre bonnet en fait anti-vent. Donc en espérant que ça marche. Petit V motard, yes. Il y a 2-3 jours, j'avais un petit souci en fait au niveau de ma clé. Et en fait il se trouve que je faisais mes lavages chez Oki. Donc ouais là vous allez vous dire tu laves pas ta moto à la main, t'es qu'un gros connard. Vous avez raison. Je sais pas, ils ont peut-être changé la mousse ou un truc comme ça. Elle a commencé à me bouffer l'intérieur du Neyman. Et elle m'a bouffé aussi mon cadre. Donc je sais pas si on le voit, la GoPro, j'ai approché là. On voit en fait c'est légèrement bleuté en fait. Donc ça a commencé à me bouffer mon cadre. Et il y a 2 jours en fait, et ben la clé est forcée, elle tournait plus. Du coup en gros ça m'a séché le système. Donc j'ai été chez Daffy, il m'a passé un coup de graisse. Et bah après j'ai vite fait la liaison entre le lavage chez Oki et le fait que mon aimant ne voulait plus tourner, étant donné que déjà j'avais jamais eu ces petites couleurs arc-en-ciel là sur mon cadre. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, donc je vais peut-être vous la mettre, je sais pas, dans une fiche en haut ou à droite, je sais pas. C'est amendable d'avoir les AirPods. Donc les AirPods on oublie et on va essayer de passer sur un système intercom. Donc pour revenir au Sénat 30K, il est bien donc que pour la communication entre motards. Pour le reste, c'est un peu cheap, c'est un peu de la merde. Que ce soit sur le Sénat bas de gamme ou sur le Sénat en fait haut de gamme. Oh allez merci, toi mon gars, toi t'es bon toi. C'est tout le temps les mêmes écouteurs en fait. Donc t'as beau payer le plus haut de gamme de chez Sénat, ils vont quand même te mettre des écouteurs de merde. Alors que là où j'ai vu, eh ben, chez Cardo, ils ont du JBL. Bon, JBL, c'est pas de la merde, tu vois.
y a mieux, mais c'est pas de la merde. Je voulais changer de casque il y a un moment, un petit temps, hein, donc pendant une semaine, j'aimais bien le pistage GPR. Bon, quand j'ai vu le prix, là, c'était un coup de poing dans ta gueule. Oh, t'es mignon, il me laisse passer. Allez, regarde, je te tends la jambe. T'as vu le prix du machin, c'est un salaire. Donc, quand bien même tu peux le payer en plusieurs fois, ça reste quand même hyper cher pour un casque. Après, ouais, tu payes la marque, il est stylé, il est beau, etc. Ok. Du coup, j'ai trouvé un bleu un peu comme la, comme ma Jax, mais c'est pas un bleu brillant, tu vois. Mais normalement, ça devrait le faire. Je vais m'amuser à personnaliser mon casque et ça coûte vraiment pas cher en fait, le vinyle, le papier vinyle, tout ça à coller. Genre pour 2 mètres de longueur sur 46, ça fait 5,99€. Histoire de m'amuser un peu sur les couleurs. Oh. C'est quoi ce regroupement là? Les mecs ils m'ont regardé en mode ça va. Alors si vous demandez si j'ai mangé, eh bien non, la preuve. Voilà le KSC, genre là, à mon guidon. Ah, j'ai peur de tout renverser. Ah, c'est tendu. Impeccable. Bon, on me coupe pas la route, toi, par contre, ça serait sympa. La poche en papier, gros, elle se déchire, je suis dans la merde, là. Quelle idée, mais quelle idée. Oh, oh là là, la bosse, là. Oh là 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 là. Oui, on valide. Là, je suis pas bien. Donc la morale, tu vas la faire à dos. Si la poche craque, je perds un bucket. Là, je suis pas bien. Oh là 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 là. Il était en train de rigoler, les gars. Oh putain, c'est pas bon ça.